Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, tkounou kamel bkhir wa ala khair. Alors aujourd'hui, nous allons réviser un peu avec les troisièmes AP pour les préparer à la première composition. Nous nos élèves, Inch'Allah, l'irtibar, mabqadouch, Inch'Allah, ils seront prêts d'ici ce jour. Alors, ça, c'est ma composition de l'année passée. On va commencer par le. D'abord, les élèves doivent écrire le nom, l'arabe et le prénom. Donc, chers parents, vous devez entraîner vos enfants, comment écrire leur nom, l'arabe et le prénom. Le prénom, le prénom en français. Le nom, ils ont des difficultés, mais tellement. Alors, on commence l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Bon, voici tout le sujet. On a quatre exercices en tout. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, 4, 5. 5 exercices, pardon. Alors, le premier exercice complète le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? Moi, j'ai écrit quatre consonnes. Parce que les consonnes. D'ici la composition, voilà, parce que les syllabes, pardon, les consonnes, les consonnes. Alors ici, j'ai mis les voyelles et là, c'est les consonnes. Les voyelles sont A, I, O, U, E et Y. Alors, qu'est-ce que l'élève doit faire? Bien sûr, kinderulham le sujet adam. Les troisièmes AP, mazal ma yafouche kraw les questions. Ahna les questions. On a le sujet sur le tableau. On a les exercices. On a dit yatarika taï. On a l'exercice 1. On fahamhom. On stennahem. Alors, on fahamhom. Et kimlou, c'est bon. Allez, on passe au deuxième. On stennahem. Kif kif. Kimlou. On passe au troisième. Alors, on commence sans tarder. Alors, il y a une flèche. Il y a une flèche. Complète le tableau. Exactement quoi faire. Alors, je dois former des syllabes. Des syllabes. Consonne, voyelle. Consonne, voyelle. Consonne, voyelle. Consonne, voyelle. Alors, M, N, T, D. M avec A, M avec I, ensuite M avec O, M avec U, M avec E, et après M avec E et M avec Y. Bien sûr, les élèves doivent écrire en cursive. D'accord? La même chose. N, A, on écrit là. N, I, on écrit là. Voilà, N, O, on écrit là, N, U, on écrit là, N, E, on écrit là, N, E, N, Y. Ça fait la consonne, je l'attache au voyelle, on écrit le même mot. M, A, MA, j'écris MA. Voilà pour MA. Zidou deuxième, M, I, MI. M, I, MI, j'écris en cursif, n'akit, kitab, kikoros, M, I, M et I, mon dieu l'interligne, j'ai oublié de bada, et t'as l'eau, le star, wahad, donc j'ai oublié. La même chose, voilà, M, O, et je continue, M, O, M, O, M, M, U, MU, neuf séché, je continue, M, U, MU. Zidroh M E M M E M M l'écriture cursive minuscule M E M M E M E M E voilà M E M E Mazati M Y M Y mi parce que Y se prononce I. Voilà. Neuf séché,
بالنسبة لي les autres lettres نفس الطريقة ان ا ن ان اي ني ان او نو ان اي نو ان او نو ان اي ني ان اي غريك ني allez on va la faire هاي نكتبوها نا ني نو 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 ني ني avec y voilà c'est bon voilà on passe à la lettre d bien sûr l'écriture cursive انا ناكد لهم على هذه d d a da d i di d o do d u du d e de d e d d y di voilà maintenant on va passer à la lettre t t t a ta ta t i ti t o to t u tu bien tu t e te t e t et t y ti voilà on passe à l'exercice numéro 2 complète les mots par les syllabes suivantes راح نكمل الكلمات فيها نقائص alors il y a des manques des syllabes qui manquent alors la syllabe me na do et ta alors sur les photos nous avons c'est quoi caméra banane domino et tarte d'après les photos نعرف نسمي هذه الاشياء alors انا حطيت لهم une k tac 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 ra là bas ne un mino une rt d'accord l'élève doit choisir la syllabe qui convient يخير la syllabe اللي توالم كل كلمه alors هنا c'est mais ما بينش مليح لونكر voilà toujours je demande à mes élèves toujours d'écrire en cursive انا التلاميذ تاعي toujours نطلب منهم يكتبوا كتابه الكراس de préférence alors la première photo c'est une caméra voilà donc je barre mais باش ما نعاودش نولي ليها caméra et je l'écris en cursive 1 2 3 et hop c'est attaché نلصقها parce que c'est un mot, quelimon. Une caméra. Voilà. Deuxième mot, la banane. Je connais ma fâche à dire. La banane. Na. Donc, une sorte de bna, parce que il y a de la bas, bien sûr, l'écriture cursive. Un, deux, A. Et j'attache. On le sort. Banane. Troisième photo, un minot. C'est quoi? Un domino. Do. Et j'attache toujours le son. Domino. Voilà. Et la dernière, l'ibrat, il y a ta. Une tarte. T-A. Ou le sakaf, la lettre. L'imora. C'est bon? Une caméra. La banane. Un domino. Une tarte. On passe à l'exercice 3. Nous avons deux photos, un garçon et une fille. C'est Nassim, c'est Norhan. La question, complète par lui ou bien elle. Lui, c'est pour les garçons, ou elle, c'est pour les filles. Elle, il benet, et lui, pour les garçons. Alors, lui, c'est Nassim, lui, c'est Nassim. Elle, c'est Norhan. Elle, c'est Norhan. Voilà. Elle pour les filles. Il, lui pour
Les garçons, des fois je fais des exercices. Il aussi, c'est pour les garçons. Huawei. L'exercice numéro 4. Numéro 4. Je mets le ou bien la. Je mets un ou bien une. Un et le pour le masculin, l'il mudhakkar. Et la et une pour le féminin, l'il asma al-mu'annata. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons tortue, tortue, livre, livre. Alors, je mets le tortue ou bien la tortue. Je vais réfléchir. Je réfléchis. Livre. Les enfants ont l'habitude en classe d'entendre la maîtresse leur dire prenez le livre. Le livre, prenez le livre. Alors, le livre ou bien la livre. Donc, c'est le livre. Après, le mot qui reste. La tortue. La tortue. Voilà. On passe au dernier exercice. Exercice numéro 5. En général, c'est toujours le dernier exercice, toujours ihato, on a toujours un diro, nadra ala nafsi. C'est pour apprendre aux enfants à transcrire en cursif. Kitabou, kitabet al-kuras, écrit en cursif, cursif, kitabet al-kuras, la phrase. La phrase a été allant faire les lettres l'écran, à part la lettre B. La lettre B, kitabet al-kuras, fait tableau, comment on l'écrit en cursif. Déjà, il y a al-fouha, mais les mois. Septembre, moi fini pour les mois. Octobre, novembre, donc à la fois. Donc, elle a dit la même tableau, B égale B. C'est tout. Alors, écrit en cursif, qu'est-ce que je dois connaître? Les c'est mon cahier. Ça, c'est le trait mauve, violet. On n'a pas le temps, il y a ni maintenant le temps, sinon on a mis à deux et tracer avec le crayon de couleur violet. Moi, je leur demande de faire un point ici en violet, un point ici en violet, et au milieu en vert. Pardon, au milieu en vert. Chez Alpha, bleu, hadou, qui marque ras. Vert. Première interligne verte, deuxième interligne verte, troisième interligne verte. Voilà. Donc, il réchauffe l'enfant. La première lettre, Smiafa, pardon, I majuscule, Iman a une belle natte. Une belle natte, la natte c'est Zfera, qui nous ferons le hamchal. Alors il dit, Iman a une belle natte. Il y a combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots. Donc, laisse-moi, qui nous ferons le hamchal, pour que nous ferons aucun mot. Alors, I majuscule, on me demande de l'écrire en cursive. D'accord, I majuscule, je la connais. Voilà, je la connais. Narfa. Toutes les lettres majuscules montent de trois interlignes. Donc, les amis, notre lab, lettre. Voilà, I majuscule. Voilà, on a pas le chat violet. Hi, I majuscule, c'est bon. Zidroh, M a des minuscules ou bien majuscules? Minuscule, donc je dois attacher le sqa d'abord. M minuscule, 1, 2, il y a 3 ponts et 3. Hop, A, Adin alpha, c'est A minuscule, Zid le sqa, A minuscule, Limoraha, A alpha, c'est N minuscule, 1, 2, et hop. Et la dernière, c'est le E. Iman, c'est bon pour le premier mot. Donc, les vides, hadou, y a l'enfant, on ne doit pas attacher tous les mots. Mais je ne sais pas si c'est le mot qui est le sinon, tous les mots. Espace. Espace. Faire A. A. C'est le verbe avoir. Iman A. Une. Les enfants, y a la voyelle U et E. U. Hadi, c'est U. Hadi c'est U. N'arrive pas à écrire en cursif. N, bien sûr. N. Hop. Et le E. Voilà le E.
Très bien. Donc B, voilà le B. Minuscule. B minusculement de 3 intermines. White lap. Et il a une boucle. Le E. Monte d'une interline. Et la boîte. L. Et la boîte. Deux L. Deux fois L. Le E. Toujours. La chiffre. La première interligne verte. J'ai quitté pas mon nom. Alors, nat, une belle nat, toujours le N, on l'a déjà écrit. N, hop, A, minuscule, hop, T, T, E, T, monte de deux interlignes, et la ptelata fiha zouj, de T, et le E monte d'une interligne. Et je mets le point et la barre du T. Voilà, j'ai terminé ma belle phrase. Iman a une belle nat. Je fais le fork. Écriture script, كتابة الكتاب. Écriture cursive, كتابة الكراس. Voilà pour mon sujet. J'espère que nous فهمتو واش درنا هذه المراجعة pour la première composition pour les troisième années. Je vais vous mettre, inshallah, après d'autres sujets. Je vous donnerai d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà tout le sujet. Voilà. Bon courage aux enfants et aux mamans qui préparent leurs enfants. Au revoir.